63% of young men today between the ages of 18 to 29 report being single. That is compared to 34% of young women. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Hein. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Okay, plus tous les bonus complémentaires que j'ai rajoutés dedans, c'est-à-dire investir dans l'immobilier, investir dans les startups, investir dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Personal branding. Il y a aussi sur l'e-commerce aussi. Donc les gars, je vous ai tout mis. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Okay, l'appel est complètement gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre. Et sache que ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. On ne devient pas riche du jour au lendemain, on ne devient pas libre du jour au lendemain. Ça n'existe pas. En tout cas, pas sur cette chaîne. Mais surtout, ce qui mérite, c'est les excuses. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides à Évry. Voilà, et ça fait plus de 3 ans que je voyage. J'ai découvert le business super tard. J'avais déjà 34, je sais même plus. Ok, donc j'ai charbonné et ça fait plus de 3 ans que je voyage. C'est pas magique. Faut juste passer à l'action. Voilà. Et passons directement au sujet de la vidéo. Something we keep a close eye on here is the crisis of young men in the U.S. It's probably one of the most charged topics that we discuss, inevitably draws quite a bit of few toxic people in the discourse on all sides. But my biggest problem with the state of mainstream discourse is conflating toxicity with the idea that we don't have a serious problem. A stunning trove of new data from the Pew Research Group highlights just how big of a problem we have, one that soon could reach a total point of no return. The first is the rate of single young men versus single young women. 63% of young men today between the ages of 18 to 29 report being single. That is compared to 34% of young women. Donc du coup, cette étude, avant de crier « Oh là là, c'est triste, etc. C'est vraiment pas bien et tout, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, cette étude, elle confirme juste l'autre étude qui explique quand est le pic de l'homme et quand est le pic de la femme. Donc le pic de la femme, on a vu, c'était à 23 ans et le pic de l'homme, c'est à 35 ans. Et je pense que ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais bougé. Je pense que nos parents, en général, il y a toujours une différence d'âge entre l'homme et la femme. Et n'en déplaise à toutes les trentenaires qui sont aigries, vous n'êtes pas toutes comme ça. Mais ce que je me rappelle de la vidéo que j'ai fait par rapport à Leonardo DiCaprio, où la fille elle disait que c'était un prédateur, que c'est abusé, qu'il sort qu'avec des femmes qui ont en dessous de 25 ans, c'est inadmissible, blablabla, enfin, il est dégueulasse, enfin, tous les termes possibles. Même si je comprends la frustration de te dire, ben mince, l'homme que je voudrais avoir, du coup, je suis en compétition avec ma propre fille, je peux comprendre la frustration. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire n'importe quoi non plus. Donc l'étude montre que non, c'est pas les hommes plus âgés qui sont des prédateurs, je sais pas quoi. Elle montre juste que la femme est attirée par des hommes qui sont plus âgés. Hein, parce que si jamais les gars, les jeunes, parce que, non Gérard, je te le dis parce que peut-être que t'as pas capté, mais si jamais les jeunes de 18 à 29 ans, les jeunes hommes sont tout seuls, c'est parce que les filles sont intéressées par les hommes qui ont plus de 29 ans, d'une manière générale en tout cas. Non, je reprends, c'est pas qu'elles sont plus intéressées par les hommes de 29 ans, mais c'est qu'eux ont plus de succès en tout cas. Parce que ce qui sera intéressant, ce serait de voir une étude qui montre entre 30 et 50 par exemple. Parce que concrètement, quand t'es un homme, ton pic, il est à 35 ans, mais ça peut varier. Et je te dirais même que ça va jusqu'à 50. Clairement, le pic de l'homme, si jamais tu t'entretiens, évidemment, que tu fais attention à toi, franchement, ça va jusqu'à 50 ans, de ce que j'ai vu. Et regarde bien autour de toi, parce que souvent, on fait pas attention. Regarde bien les couples, on va dire les hommes, les personnes qui sont des personnalités publiques, par exemple. Regarde bien, en général, le gap qu'il y a entre leur copine ou leur femme. Donc cette étude ne fait que confirmer ce que l'on sait déjà, que la femme est hypergame, que la femme recherche des hommes qui ont du statut, elle recherche la sécurité émotionnelle, financière, physique chez un homme, la confiance, l'expérience, okay, le statut, et tout ça, bah, ça prend du temps pour pouvoir le développer, et en général, bah, l'homme pour pouvoir avoir atteindre tous ces critères qui sont demandés par la femme, eh ben, ça prend des années. Voilà, et en général, c'est pour ça que le pic de l'homme, il est à 35 ans. Je ne sors pas de mon chapeau, c'est une étude qui a prouvé ça, en fait. Et deuxième chose que pointe du doigt cette étude, c'est bah, évidemment bah, la frustration que les hommes ont de 18 à 29 ans. Parce qu'aujourd'hui, le marché du dating n'a rien à voir par rapport au marché du dating à l'époque.
Moi, je peux te dire, si on remonte à 15 ans, à l'époque, quand tu prenais un numéro de téléphone, la fille, quand elle te donnait son numéro de téléphone, réellement, tu pouvais avoir une relation long terme avec cette fille-là. Elle ne te donnait pas son numéro, et puis après, au dernier moment, quand vous aviez un date, elle annulait, ou elle ne se présentait pas, ou je ne sais pas, tu lui envoies un message, et puis elle te répond le lendemain, ou 3 heures après, ou 4 heures après. Non, c'était fluide, en fait. À partir du moment où la fille, elle te donnait son numéro, elle était réellement intéressée. Alors qu'aujourd'hui, avoir un numéro, ça ne sert à rien. Alors imagine-toi, si jamais tu galères déjà pour avoir des numéros, que ce soit via les applications de Tinder, les applications de dating plutôt, ce que je voulais dire, ou aller aborder les filles tout simplement directement dans la rue, je sais pas où, eh ben tu vas galérer parce que quand tu as le numéro, c'est, je sais pas, c'est peut-être 10 numéros, et 10 numéros, il y a peut-être 2 numéros qui sont valables, concrètement. Et ça, c'est si jamais tu as un bon taux de conversion. Quand je dis valable, ça veut dire qu'elle est réellement intéressée, qu'après, tu pourras aller peut-être sur une relation long terme ou court terme avec elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le marché du dating, c'est plus comme avant. Ça a énormément changé. Et c'est pour ça que tu peux plus te permettre de plus comprendre la nature féminine. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as Zeus en description. Aujourd'hui, si tu connais pas la nature féminine, mais tu es cuit. Tu es simplement cuit. Si jamais tu n'as pas de game, entre guillemets, le marché du dating, tu vas souffrir. Et même si tu es à ton pic, même si genre tu as 35 ans. D'ailleurs, si tu veux avoir les stratégies étape par étape pour avoir des dates en illimité, ta funnel Tinder qui est en description, clique, j'explique tout, tu verras. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, du coup, à cause de cette frustration sur le marché du dating pour les hommes, que bah, tu as des personnalités comme Andrew Tate qui explose Internet. Tu as un retour de la masculinité. Pas simplement par rapport à la frustration sur le marché du dating des hommes, aussi parce que les féministes, elles ont tellement abusé. Hein, tu sais, c'est comme quand tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il abuse tellement qu'à un moment donné, le peuple, il se retourne. Tu vois, il dit « Oh, ça va là, non ?» Vous exagérez un petit peu là, non ?» Là, tu vois, donc il y a aussi ça. C'est pas faux. Et puis, on veut tellement pousser les hommes à devenir des femmes, à un moment donné, ils étaient là « Ah ouais, oh, pourquoi pas ah, ?» Non, mais là, ça va trop loin, là, non ? On peut être des hommes ou pas ? C'est possible ? C'est possible toujours ou pas ? Donc, c'est sûr aussi que, bon, ça joue aussi. Parce qu'aujourd'hui, être un homme, c'est vu, c'est le mal incarné. Aujourd'hui, être un homme, ça s'appelle toxique. Tu es toxique parce que tu es un homme. Ça devient incroyable. Ça veut dire que même maintenant, aujourd'hui, qu'il y a un retour de la masculinité, et ça veut dire quoi un retour de la masculinité ? C'est de pouvoir, entre hommes, parler de nos problèmes ou des challenges que l'on rencontre durant notre vie d'homme. Okay ? Parce que les hommes ont des challenges. Eh ben, ce genre de groupe ou ce genre d'endroit, de place où tu peux discuter, sera toujours qualifié de misogyne. Voilà. Ils sont misogynes. Pourquoi ? Ils parlent entre eux, qu'est-ce qu'ils font ? Non, vous ne pouvez pas parler non plus. Vous parlez pas. Ça devient du n'importe quoi, hein, on est d'accord. Et même quand tu juste adresses le certain problème que l'homme rencontre avec la femme, ah, misogyne aussi. Quand tu oses dire, ouais, des fois, j'ai l'impression que c'est plus comme avant, les filles, quand même. Tu prends son numéro, elle te répond pas. Misogyne, ah. Bon, ok, d'accord, bon. Tu peux rien dire. Mais bon, au final, de toute façon, ce plan ne servira à rien. Il faut s'adapter. Hein, et clairement, aujourd'hui, être un homme, ça te demande beaucoup plus si jamais tu veux avoir des résultats, en tout cas avec le genre opposé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître les secrets de nature féminine. Je te rappelle ta Zeus en description. Tu ne peux pas te permettre de ne pas travailler sur toi. Tu ne peux plus faire ça. Il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies de l'expérience, il faut que tu aies du statut, il faut que tu sois complet aujourd'hui. Si tu veux réellement avoir du succès avec la femme que tu voudrais avoir. Parce qu'après, sinon, tu peux toujours baisser tes standards. Hein. Voilà, c'est à toi de voir. Mais concrètement, cette étude ne me choque pas. Elle met simplement en exergue ce qu'on le savait déjà tous. Le pic de la femme est dans la vingtaine, donc du coup, et le pic de l'homme est à 35 ans. Donc, elle date les hommes qui ont en général plus de 30 ans. Après, il y a des femmes, ça ne veut pas dire que toutes les femmes de 20 ans sont intéressées par des hommes qui ont plus de 30 ans. Mais en tout cas, tu n'auras pas de soucis si jamais tu es au-dessus de 30 ans, je peux te l'assurer pour ça. C'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Est-ce que tu trouves que c'est abusé ou pas ? Et si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.